Ils vont faire le déplacement pour venir les voir chez elles. Du coup, elles veulent que tout soit parfait pour les recevoir. Tu manges quoi ce midi ? Moi, je prépare une entrée de saumon fumé. Mm-hmm. Et puis là, il y aura le mignon de porc à la mandarine avec le gratin, des haricots verts. À la maison, toute la famille a été mise à contribution pour accueillir les jumeaux. Ah ouais. Ah, bravo. Les papilles, mais la main, là. C'est un nain. Attention. Réussite, s'il vous plaît. Alors, Papy, tu peux bien travailler, Papy. Il y a une petite excitation, là. Tout le monde est au travail, en train de faire la cuisine. On se prépare, on se fait beau. Ouais, on est pressé que les jumeaux arrivent, hein, finalement. J'espère que même avec la famille, ce sera pas trop oppressant. Tout le monde met la main à la pâte et devra faire bonne figure quand ils arriveront. Vous vous tenez bien, faites pas les ploucs. Pas de problème. Pour le dessert, Lise et Émilie ont prévu de faire une mousse au chocolat. Comme les jumeaux sont des pâtissiers spécialisés dans le chocolat, elles sont donc très inquiètes du résultat et ne veulent surtout pas rater leur coup. C'est pour 8 personnes, tu vois, 150 grammes. Ouais, mais il est marqué 350 grammes et là, on a que 300 grammes. Ouais, il manque que 50 grammes. C'est un peu comme passer un oral, là, de faire la mousse. On a trop l'impression qu'on va être jugé là, par les jumeaux. Enfin, même si eux, ils penseront sûrement pas ça, mais c'est... comme offrir une paire de chaussures à un cordonnier, quoi. Ouais. Il va tout de suite voir si c'est bien ou mal fait, donc... Bon, déjà, niveau présentation, ce sera tout la même, donc dans des petits pots terre cuite. Pavi nous a déjà dit que nos mousses étaient très bonnes, donc... Parce que maintenant, pas de problème. Ouais. Ici, l'enjeu est de taille, parce qu'on a changé de chocolat. Du coup, on sait pas si ça donnera le même résultat. Bah, c'est pour leur plaire, pour dire, bah, t'as vu, nous aussi, on sait quand même faire des petits desserts, même si on n'est pas pâtissière. Les sœurs doivent partir les chercher à la gare. Avant d'y aller, elles vont s'assurer que tout le monde a bien compris les consignes, à commencer par leur grand-père. Papy, tu te souviens comment il s'appelle ? On te l'avait dit. Manuel, non ? Ouais. Ah. Et qui ? Alexis. Ouais. Ah. Enfin, j'espère que je me rappellerai quand il arrive. Ouais. Bon, bah, à tout à l'heure. Tout, on arrive ! 10 minutes seulement. Je suis en train de déstresser parce que je me dis, ça y est, on y est. Donc ça me déstresse en fait de conduire aussi, de me dire... Je commence justement un peu à stresser parce que justement, on y est, on va les revoir. Bon, à mon